требует свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отпадать в поезд. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ce que vous pouvez voir juste devant moi, c'est des vieilles béquilles. Enfin, des vieilles béquilles, elles sont neuves en fait. Mais elles partaient à la poubelle. Donc là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour continuer la structure. Parce que mine de rien, ça reste de la matière première qui était destinée à la poubelle. Pour le moment, je vais me servir juste de ces barres ici que je vais nettoyer. Alors là, tu vas me dire, ouais, putain, tu t'emmerdes bien, tu achètes des barres neuves, ça ira beaucoup plus vite. Bah ouais, ça irait beaucoup plus vite, j'aurais pas le nettoyage, le découpage, etc. Mais c'est plus de l'upcycling, c'est acheter du neuf pour créer quelque chose alors que voilà, t'as des pièces qui vont polluer la planète et avec lesquelles je peux créer quelque chose. C'est le principe de l'upcycling ou du surcyclage en français. Allez, on y va! La cabine de mon bateau pirate, je vais me servir de toute. Ah, celle-là, elle a bien volé. Je vais me servir de toutes les chutes qui restent de la structure. Donc, bah, c'est du tube rond, va falloir que je l'entaille et que je le remette à plat. Pas jeter ça, donc voilà, j'entaille, je mets à plat et ça va me servir à sculpter toute la cabine. Par contre, je sais encore pas comment elle va être. Mais bon, ça va venir en travaillant. Allez, let's go!
Comme vous pouvez le voir, le gros de la structure est fait. Je suis plutôt fan de la cabine. Donc j'ai patiné l'acier qui est en dessous. Et voilà, histoire que les fenêtres ressortent. Et ben maintenant, il faut que je commence à me fumer le crâne pour remplir tout ça. Alors, vu que c'est un bateau, ça va être un bateau pirate, je vais y mettre quelques canons. Mais pour le moment, j'ai encore aucune idée du remplissage. J'ai une vieille caisse là qui traîne avec plein de petites choses. Je te la montre. Comme vous pouvez voir, j'ai plein de vieilles pièces ici. Voilà, j'ai du dérailleur. J'ai pas mal de dérailleurs. J'ai un petit porte-bagages. Ouais, j'ai plein de chutes comme ça. Donc là, je vais m'en servir pour la coque. Et bien voilà, une nouvelle journée se termine. J'ai super bien avancé, je suis content du résultat. La patine là que je viens d'appliquer, elle a un effet... pour le moment, je ne l'ai pas encore poli, c'est en séchage. C'est une patine noire qui est aussi anti-rouille. Ensuite, le haut de la coque, j'ai déjà mon idée de comment la réaliser. Et donc, j'ai déjà réfléchi. Donc, je vais nettoyer de la chaîne, je vais y mettre de la chaîne de vélo. Ça va me faire un remplissage avec un effet sympa. J'ai ces petites pièces là. Alors écoute, le nom, je ne le connais pas du tout. Je sais juste que c'est ce qui permet de tenir le boîtier de pédalier. J'en ai plusieurs comme ça. Et ça va me servir à faire les petits canons des bateaux pirates là, qui se mettent là sur le côté de la coque. Et c'est cool, ça va être super cool. J'ai aussi un bouchon de valve tête de mort. Donc celui-là, tu le verras un peu plus tard, que je vais peindre en blanc. Je pense que je vais le mettre juste au bout comme ça. Un bateau pirate sans tête de mort, c'est pas un bateau pirate.
Donc là, on s'approche de la fin du projet. Mes 4 voiles sont cousues. Le résultat est plus que satisfaisant. Maintenant, ce qui me reste, ça va être de les mettre sur le bateau. Et ça, c'est pas une mince affaire parce que pour le moment, j'en ai aucune idée de comment aller les fixer. J'espère que la vidéo elle t'a plu. Pour cette fin, je t'invite au bord de l'océan pour te parler de ce bateau. Donc je te dirais, j'ai pas fait 10 000 km à mon atelier à 2 minutes d'ici. La vidéo est très longue, donc je vais pas m'éterniser longtemps. Je vais te parler rapidement de ce qui arrive ensuite. Donc là, comme tu as pu le voir, j'espère que tu entends bien aussi parce qu'il y a un petit peu de vent. Et ça me branche pas mal d'ailleurs d'aller faire un peu de kitesurf. Mais avant ça, je vais terminer cette présentation. Donc comme tu as pu le voir, ça a été fait à 100% à partir de vélo. C'est le principe de mon art. Je pratique l'upcycling à partir des vélos et toutes mes créations sont faites à base de vélo. Le plus galère sur ce projet, ça aura été la voilure. La voilure qui a été réalisée avec de la chambre à air que j'ai cousue à la main. Ça m'aura pris énormément de temps. Après, ça vaut le coup parce que le résultat est franchement génial. Le bateau en lui-même est assez lourd. Donc j'ai prévu deux attaches assez conséquentes pour bien le fixer au mur. Et la tête de mort qui se trouve au-dessus du mât, franchement, ça rajoute un look juste magnifique. C'est le petit détail qui met en valeur toute la création. Donc comme j'ai pu te le dire dans la précédente vidéo, je vais commencer un nouveau projet. Je vais démonter un vélo et je dois le transformer. Donc je t'avais dit 5, mais au final ça va être 4 objets. Avant ça, j'ai commencé à tourner et à créer une lampe de bureau. Enfin, toi tu en verras une, mais j'en aurais fait 5. Si t'es sur Instagram, tu sais de quoi je parle. Et si t'es pas sur Instagram, d'ailleurs je t'invite à m'y rejoindre. T'as tous les liens en description. Pour en revenir au projet vidéo, là on arrive au mois de décembre. Tenir le rythme d'une vidéo par semaine, c'est assez compliqué. Surtout quand je suis sur un projet comme ça, bah, qui me prend un peu plus de 2 semaines à fabriquer. Et que là pour le coup j'ai rien fait à côté, c'est assez compliqué de tenir le rythme d'une vidéo par semaine.
Donc là, pour le mois de décembre, je suis pas sûr d'en sortir autant. Après, je te dirais, ma chaîne est toute jeune, j'ai pas une énorme audience, donc ça devrait pas poser de problème. Si là, t'entends ces paroles, c'est que t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, et ça, je trouve ça super cool, ça m'aide en référencement. Et par contre, si t'as oublié de t'abonner, va cliquer en dessous pour t'abonner. Ça aussi, ça m'aide. Donc là, il faudrait que je retourne à l'atelier pour travailler. Mais honnêtement, maintenant que je suis à la plage, c'est très dur d'y retourner. Je vais profiter un peu. Sur ce doux bruit des vagues, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.